Bonsoir à tous et à toutes. Test du micro. Test du micro. Ok, on entend bien. Hop, ce soir c'est de la peinture, j'ai un peu mal au crâne. Fatigué, j'ai un peu mal au crâne. On va, je vais faire des trucs tranquillou ce soir, peindre un peu, discuter avec vous, faire le tuto, faire un tuto si un peu. Il y a un tuto à faire, éviter de foutre de la flotte de partout aussi chez moi, ça peut être cool. Hop. Donc je vais continuer ce chat là ce soir, gentiment, tranquillement. Je vais le continuer, puis ça va être le chat qui va être pour celui de Sephira, donc j'ai en plus 2-3 petites idées pour le pimper un peu. Gentiment, donc là mon jaune on va le faire un peu plus pétant déjà. Pareil, il faut faire les parcheux. Donc voilà, un petit peu de taf à faire. Là, c'est pas, c'est du taf gentil. Hein. Oh mamma mia, mamma mia, mia mes finants. Alors, là je vais prendre un peu d'Irial Yellow. Non, je sais, plus de Po Games, mais bon, j'en ai encore qui fait un peu, donc le temps de les terminer. De terminer gentiment ces petits chats. Vous avez des questions, les tutos, je vais en faire un normalement là ce soir si j'ai un lavis à passer pour expliquer à Olnar comment je choisis mes lavis et comment je choisis les couleurs que j'utilise. Et c'était la question qu'il m'avait posée. Et d'ailleurs la vidéo sera sûrement sur YouTube. Là je viens gentiment repasser avec un jaune très clair là où je veux que les glyphes soient pétants. Ça demande juste un petit peu de précision. Comme vous voyez là, je le fais avec un taille 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément entièrement besoin d'avoir une boîte milliard de pinceaux. Vous faites attention. Excédent, je vais repasser légèrement là parce que c'est pas assez étant comme je le veux. Ah, donc là mon but c'est de vous faire, en fait c'est de faire ressortir les glyphes. Comme j'ai dit, la couleur complémentaire va être le jaune.
Alors on va déjà, je vais commencer le tuto. Alors pour le tuto, je vais enregistrer en même temps. Comment je choisis mes lavis? Comment je choisis mes lavis? En fait, tout simplement, on a ce qu'on appelle la roue chromatique. Je vais couper la musique aussi. Tout simplement, on a ce qu'on appelle une roue. Donc dans la peinture, on a ce qu'on appelle la roue chromatique. Tu as des couleurs qui vont aller mieux avec d'autres. Tu as ce qu'on appelle les couleurs complémentaires et ce qu'on appelle les couleurs opposées. Chacune en fait allant avec l'autre. Les opposés vont très bien avec leur. Même si on appelle ça des couleurs opposées, c'est qu'en fait, les couleurs complémentaires vont venir enrichir la teinte, donc la saturer. Alors que les couleurs opposées vont venir désaturer ta teinte. Tu prends par exemple un bleu, si tu lui mets du violet, ça va donner un bleu froid. Alors que si tu lui mets un bleu, tu peux lui mettre du blanc, ça va te donner un bleu clair. Tu peux lui donc de l'ivoire plutôt, ça va lui donner un bleu clair. Tu peux mettre du jaune, ça va venir un peu l'enrichir, avec bien sûr toute proportion gardée, bien sûr. Un rouge, tu peux par exemple lui mettre du jaune, ça va te donner du orange qui va pouvoir venir éclaircir ton rouge. Tu vas pouvoir lui mettre du vert qui va venir désaturer ton rouge, du bleu venir l'enrichir, du violet le rendre plus puissant. Voilà, il y a plein de règles là-dessus. Il y a une deuxième règle, ou en tout cas moi je vois ça comme une deuxième règle. La deuxième règle, c'est quel effet vous voulez obtenir. Ici par exemple, je veux obtenir des parchemins vieillis et jaunis. Donc pour les vieillir, je vais être obligé d'utiliser du marron, puisque le marron vieillit très bien, donne un effet vieilli très, très réaliste. Mais aussi le mélanger à du jaune, même si normalement ça se fait pas, mais le mélanger à du jaune pour qu'en séchant en fait on ait un petit côté jaunâtre en fait dans les ombres qui va en fait venir donner un parchemin vieilli en fait, vieilli et utilisé énormément de fois. Pour ce faire, donc moi j'utilise, alors il y a plusieurs manières de faire, soit il existe les lavis tout préparés, mais ça je suis de moins en moins fan. Vous pouvez faire vos lavis dans n'importe quel contenant. Moi j'utilise le blister que j'utilise pour faire pour mon aérographe personnellement. C'est le blister que j'utilise pour mon aérographe. Donc là, je vais venir prendre du jaune, du Sun Yellow. C'est un jaune moyen, quoi. Jaune neutre. Je vais venir prendre un marron que j'aime beaucoup, qui est l'ombre brûlée de chez Prince Auguste. Prince Auguste Valero. Que je vais venir mélanger hop, dans mon blister. Hop, alors. Pensez bien à prendre toujours le même pinceau pour faire vos lavis. Allez pas flinguer un pinceau. On est un pinceau qui a déjà un peu vieilli. Et là, il vous faut une consistance, je dirais environ 6 ou 7 gouttes d'eau en général. Après, c'est à la vue que je le fais. C'est-à-dire qu'il me faut une consistance presque laiteuse, quasiment. C'est-à-dire que si je passe mon pinceau, il faut que je puisse voir le dessous. Là, ce n'est pas encore, c'est pas encore possible. Ça reste deux peintures qui sont très satinées, donc très compactes, donc il va falloir que je rajoute encore de la flotte. Alors que j'ajoute encore pas mal de flotte. Donc là, vous voyez, j'ai un marron qui est très jaune, en fait. J'ai un marron qui est très jaune. Non, je le fais à l'eau. Tu n'as pas besoin d'utiliser de diluant, en fait. Concrètement, le diluant, ça va t'aider, mais tu n'as vraiment pas besoin de diluant. Avant, ça se faisait à l'eau, les lavis. Donc, en fait, ma consistance, pour vous montrer, vous voyez, c'est quasi de l'eau. Quand je l'essuie, il n'y a quasi plus rien. Et je vais venir le passer. Alors, encore une fois, toute proportion gardée. N'hésitez pas à essuyer un peu votre pinceau. Le but n'est pas de noyer la zone. Et je viens, hop, le passer gentiment. Je viens le passer gentiment. Hop. Et je vais attendre qu'il sèche, concrètement. Et passer une à plusieurs couches, en fait. Et passer une à plusieurs couches, s'il faut. En attendant à chaque fois que la précédente est séchée. Et voilà comment on fait un lavis. Après, c'est vraiment... Concrètement, c'est vraiment en respectant la roue chromatique, mais aussi en fonction de l'effet que vous voulez obtenir. Moi, là, comme j'ai dit, je veux obtenir
un effet parchemin jauni, parchemin vieilli. Donc je vais venir appliquer un marron jaune. Si je voulais obtenir juste un effet sale, un effet parchemin sale, je n'aurais mis que du marron. Et donc, bah voilà YouTube, c'est ce qui clôt le premier tuto depuis une longue date, c'est le premier tuto peinture. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Merci à Olnar pour sa demande. Si vous désirez venir me demander vos tutos, n'hésitez pas à venir sur Twitch, twitch.tv/astellan. Et bah, je vous dis à la prochaine. Bye. Voilà. Coucou bro, désolé, hein, coucou Srak, coucou bro, je vous ai pas répondu parce que j'étais en train de tourner le tuto, oui, parce que c'était censé aller sur YouTube après. On va remettre Queen. Hein. Mais c'est censé aller sur YouTube, donc. Ah, tuto peinture, alors tu sais, il faut me demander le tuto. Ça fait la même que Sancho. Comment tu vas, mon bro? Comment ça va, mon bro? Mon bro à la biscotte. Oui, non, mais. Un tuto pour noir? D'accord, bah, je te fais un tuto pour noir. Éclaté, ouais, moi c'est pareil. C'est pareil, je suis un peu fatigué. Ouais. Les peaux noires. Ouais. Mais j'en ai déjà fait une. Ah, mais y a... en fait, c'est pas foncièrement pour payer. C'est... Enfin, en soi, c'est pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, en fait. C'est pas. Moi, vous êtes là, déjà, ça me paye. Hein, voilà, vous êtes là, ça me permet d'aller faire des demandes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait une demande aujourd'hui à Valero et à Green Stuff World. Je leur ai envoyé un mail pour leur faire une demande de partenariat. Alors un petit partenariat, hein. Enfin, moi, ils me donnent même 10% sur l'achat des pots, je suis heureux. Voilà. Et j'ai eu Green Stuff World qui m'a répondu. Alors, cher ami, merci de nous avoir contactés. Nous recevons plus d'une douzaine de requêtes de collaboration par semaine et nous répondons à toutes dans l'ordre d'arrivée. Dans l'ordre d'arrivée, nous avons passé votre proposition au marketing et l'étudier. Et pendant ce temps, nous allons suivre votre travail. Nous allons suivre votre travail de très près. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, Luna? Elle a quoi comme partenariat, Luna? Parle bien de Lunatica. Un partenariat Green Stuff World ou Games Workshop, Sancho? Non, parce que moi, Games, je leur chie à l'arrêt, mais... Là, tu vois, regarde, ça s'est jauni un peu. Ouais, regarde, ça a pris une teinte qui est un peu plus marronnée jaune, et je vais en repasser, en fait, tout simplement. Coucou, Wolf, comment tu vas? Et en fait, le but, c'est d'être patient. Alors, je cherche mon pinceau. Encore une fois, je paume la moitié de mes pinceaux. Et pourquoi je préfère de plus en plus, en fait... T'as chié à l'arrêt, rien compris. Ah, je suis content pour toi, Wall. Mais par contre, contrairement, si tu veux, et c'est ça que je préfère dans un lavis fait maison, Olnar, c'est que contrairement en fait à un lavis préparé, alors je dis pas que j'en utilise pas encore, hein, j'en utilise encore de parfois, hein, y a certains lavis que je trouve très bons encore, hein, mais contrairement en fait à un lavis préparé, ça va moins marquer préfet. Donc tu vas pouvoir toi-même gérer l'intensité, si tu veux, de tes ombrages.
Tu vas pouvoir toi-même gérer l'intensité de tes ombrages, et ça marche aussi avec les glacis, ça marche avec plein de choses. Je ferai un tuto glacis un jour, pourquoi pas, je ferai un tuto glacis. Si un jour il m'est demandé, je ferai un tuto sur les glacis. Et ça va être le chat s'effuira. Pourquoi ? Parce que j'ai 2-3 petites idées pour le pimper. 2-3 petites idées pour le pimper, ce chat. Et donc voilà, en soi, j'espère que sinon vous allez tous bien. J'espère que sinon vous allez tous bien, concrètement. Hein. Je suis content. Content que vous alliez tous comme il faut aujourd'hui. Fatigué. Fatigué. Ah bah oui, t'es beaucoup moins limité en fait, parce que contrairement au lavis préfet, c'est pas une couleur qu'on t'a donnée. C'est-à-dire que tu peux faire un lavis avec n'importe quoi. Tu peux faire un lavis avec tes mélanges, tu peux faire un lavis en prenant une couleur pure, tu peux le faire avec n'importe quoi. Et il te suffit de mettre de l'eau. Tu peux ajouter un peu de médium pour en fait l'aider à aller glisser dans les creux. L'aider à aller glisser dans les creux, mais c'est pas foncièrement obligatoire. D'ailleurs, si vous voulez m'aider et que vous voulez qu'on regarde, si on peut faire une petite aparté peinture. Ça va et toi, ma sucrée ? On peut faire une petite aparté peinture si vous avez des sites de beats. En fait, j'aimerais bien.
resurrection, by erection. Raise your fathers to the sky, by erection. Raise your fathers to the sky. Non, c'est juste que je pose jamais de vacances, Solnar, en fait. C'est juste que je pose jamais de vacances. Il m'énerve le micro, attendez. Le micro, il m'énerve. C'est juste que je suis quelqu'un qui pose très peu de vacances. Et autant dire que cette année, j'ai pas eu le cœur à prendre des vacances, en fait. C'est celui-là avec les mères. Attendez, je vais chercher la peinte, je reviens. C'est juste que je pose jamais de vacances, Solnar, en fait. Et comme cette année, j'ai pas eu cœur à poser des vacances, clairement, ça a été... J'ai quasi deux semaines, voire deux semaines et demie de vacances en rab, là. Non, la chanson que je chante quasi parfaitement. La chanson que je chante quasi parfaitement, mais je vais pas la chanter en live parce que sinon je vais vous faire tous pleurer. C'est Alléluia de Jeff Buckley. Sinon je vais vous faire tous pleurer et j'ai pas envie de vous faire pleurer. On pourrait presque mettre un défi de points de chaîne pour voir si vous voulez que je chante Alléluia de Jeff Buckley. Parce que pour le coup, le défi punk, soirée punk, comme j'ai annoncé, ce sera potentiellement lors d'un event IRL. Ce sera potentiellement lors d'un event IRL avec les Red 5 où, promis, j'achète tout ce qu'il faut. Non, celle de Jeff Buckley, c'est pas un mec moins talentueux, Jeff Buckley. Et Jeff Buckley a rajouté un couplet dans la musique. Il a rajouté un couplet dans la musique de Leonard Cohen. Ah, papayou. Donc là, je viens faire des petits traits de peinture éclaircie. Bon, le micro veut pas, il commence à me casser les couilles.
Et je viens éclaircir très légèrement et de plus en plus clair les parchemins. Voilà pour ceux qui se demandent. Ça peut prendre du temps hein, d'éclaircir quelque chose, mais si vous le faites propre, ça passera crème. Je vais rajouter un tout petit peu plus, toujours plus de blanc cassé en fait dans ma mixture. Jamais regardé Son of Anarchy. Là j'ai rajouté juste un tout petit peu plus de blanc cassé en fait dans ma mixture concrètement. Et au fur et à mesure je vais éclaircir de plus en plus. Le jour où je retrouve une Madame Asté, si elle savait la quantité de peinture que j'ai ingérée. Si elle savait, la future Madame Asté, si un jour j'en retrouve une, putain, la quantité de peinture que j'aurais ingérée, si elle le sait, elle va me permettre. En fait, t'es fait à 80% de peinture, oui. Je vous avouerai que j'ai pas la tête à ça. Si ça me tombe sur le coin de la gueule, tant mieux. Mais pour l'instant, pas la tête à ça. Voilà, oui, voilà comment on fait pour faire des pare-cheveux. Ça va très vite. C'est très simple. Je peux pas faire plus simple en fait. Baka mitai honto nano ne. Uso ga kushei ni wanae nai ega no miseta. I love you more, yoku ni mimana. Kuchi beta de honma ni buki yo. Nano ni
Yosake demo wana enai. Alors, Sancho, pour répondre à ta question, mes parents ont essayé déjà hein, de me faire voir une Tata Rachel. Hein. Mais je t'avoue que ça m'intéresse vraiment pas. Ça m'intéresse vraiment pas. Et je supporte pas d'être, comment dire, des couples arrangés comme ça. C'est le meilleur truc pour me gaver. Quand, enfin, si tu mets un bestiau comme moi devant une juive traditionnelle, mais la meuf elle part en courant. Hein. La meuf elle part en courant. Hein, t'as vu le bestiau s'il te plaît? Ah là, je suis un gros caillou. Ah, c'est parce que tu me connais pas dans la réalité, Sancho. C'est parce que tu m'as pas. Nepenthes, il m'a vu dans la réalité. Il a vu comment je suis, hein, le bestiau. Hein. Dame yo, dame nano yo. J'ai volé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est toi, Anto, t'as volé. Alors que je prête. Et c'est vrai qu'Anto, toi, t'as volé concrètement. Alors, il faut savoir que Deadpool est un collègue de bureau qui s'est amusé avec moi à se pousser. Je l'ai prévenu, je lui ai dit arrête, tu vas voler. Il a volé. J'ai même cru que je l'avais fait mal. Ça va, il est solide le bestiau. Oui, voilà, t'as pris Air Marie Tewaz. Donc là, je suis en train d'éclaircir mon cuir. Après, je vais m'occuper du. Je vais m'occuper du bocal. Je vais en faire une sorte de potion. Alors, c'est la première fois que je tente ça, de faire un bocal comme ça en potion. Donc, on va essayer. De toute façon, c'est comme ça hein, qu'on apprend en général. C'est en tentant des trucs. Alors, j'essaye aussi de lire la figurine. C'est-à-dire de comprendre où est le cucu, où est la tête. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a belly of tea, who up and up and down, but I know my belly was blow. Soon may the weather man come to bring us sugar and tea and rum, they want a tongue in his down will take a leave. J'espère que vous êtes des pirates. Hein. On va aller chasser la baleine. May the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da.
Before the boat had hit the water, the water wind sail came up and caught her to the side, harping and fodder when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave. Cut, no will was freed, the captain's mind was not of greed, and he belonged. Wellerman, c'est The Wellerman. W-E-2-L-E-R-M-A-N. Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew, and though soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre maintenant? Ça c'est vieux ça aussi hein. C'est quoi ça? Ah, mais c'est mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Non, c'est pas ça? Tu m'excuseras, c'est un peu trop hippie pour ce strip. Moi, ce que je vais vous mettre... Hey, rapido, where is Mo? T'entends ce rythme endiablé? Ça, ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Y'a des trous dans le gruyère.
Ma vie c'est de l'émental, j'ai un sacré mental comme un chat dans une souricière. Y'a des barjots sur ce rafio qui vous donne le mal de mer. Y'a du pain sur la planche et ce radeau qui penche qui vaut pas un camembert. Alors là, je vais sortir un lavis tout fait parce que. Je n'ai pas l'autre, c'est la flemme. Yo. Là, je passe un lavis en fait sur ce qui va me servir de fiole. Est-ce que je peux mettre encore d'autres comme musique bien cool? J'en avais une qui m'est passée par la tête. Ça me reviendra après. Oh, YouTube. Je la mets après, sucré. Quand je vous aurai rendu fou, je la mets juste après. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu de Abort Mission, c'est-à-dire que personne n'a reconnu pour l'instant. J'ai pas tenu. La la la.